Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce mardi dans l'octave de Pâques, lues par Madame Eugénie Zanou et le révérend diacre Justin Dikounou de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Nestor Raguel Kiala de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 36 au verset 41. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule, « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous
pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant: détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 32. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. Pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, sois sur nous comme notre espoir est sur toi. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 20, versets 11 à 18. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau.
Elle aperçoit deux anges vertus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabboni, c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, shalom. Aujourd'hui, dans la figure de Marie de Magdala, nous pouvons contempler un nouveau degré d'accueil de notre Sauveur. Marie apparaît comme la plus sincère des disciples de Jésus. Elle le suit, elle s'attache à Jésus crucifié à cause de son amour. Elle le cherche au-delà de la mort, enterré et disparu. Combien pleine d'admirable et d'humble soumission à son Seigneur sont ces deux exclamations que, comme de perles uniques, l'évangéliste Jean a gardé pour nous. Ils ont pris mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Jean chapitre 20, verset 13. Seigneur, si tu l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le retirer. Jean chapitre 20, verset 15. L'histoire a vu peu de disciples aussi fidèles et pleins d'affection que Marie de Magdala. Marie de Magdala nous fait comprendre que notre amour pour le Christ doit nous emballer dans une folie de la recherche du bonheur pour les autres. Néanmoins, la bonne nouvelle de ce mardi nous passe loin toute droiture éthique et foi religieuse en un Jésus admirable. Mais en dernier instant, la mort pour nous amenait dans une ambiance de foi en Jésus-Christ ressuscité. Un Jésus-Christ qui, au premier instant, qui fait sortir Marie du niveau de la foi imparfaite, la demande, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Jean chapitre 20, verset 15. À quoi les yeux myopes, elle répond comme le ferait un paysan qui s'intéresse qu'à sa propre inquiétude à Jésus. Maintenant que dans un second et définitif moment, l'appelle par son nom, Marie. Pour l'émouvoir et la secouer avec la résurrection et la vie, c'est-à-dire avec lui-même, ressuscité et vivant pour toujours. Comme résultat,
Marie de Magdala croyante et Marie de Magdala apôtre. Alors Marie de Magdala s'en alla et annonça aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Jean chapitre 20, verset 18. Jésus nous demande comme Marie, « Que cherchez-vous? Si c'est vraiment moi, alors me voici. Allez donc proclamer la bonne nouvelle que je suis vivant. » Il n'est pas rare aujourd'hui de trouver de nombreux chrétiens qui ne voient pas clairement ce qui arrivera après cette vie et qui, par conséquent, ont des doutes sur la résurrection de Jésus. Suis-je parmi eux? D'autre part, il y a aussi ces chrétiens qui ont assez de foi pour suivre Jésus en privé, mais qui ont peur de l'annoncer apostoliquement. Est-ce que j'appartiens à ceux-là? Si c'était le cas, disons-lui comme Marie de Magdala, « Maître, accrochons-nous à ses pieds et allons vers nos frères et sœurs et disons-leur, « Le Seigneur est ressuscité et je le vis. » Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Désormais, sur vos smartphones et ordinateurs, toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est le coup de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24. En direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store.